Bonjour, bienvenue sur Argus.fr. On est ici à l'ADN, le centre de style Citroën. On va découvrir le nouveau véhicule de plage Imeari. C'est parti! Bon, demain, arrêt maladie. On découvre aujourd'hui à l'ADN la Citroën Imeari, le cabriolet électrique de Citroën, qui nous présente, même si on est en plein hiver, un peu de printemps avant l'heure. C'est un véhicule qui permettra d'élargir la gamme au-delà des 7 modèles annoncés par Carlos Tavares. C'est une respiration, c'est un modèle un peu hors série. La vente de la Imeari rappelle à la fois la C4 Cactus et aussi le concept car Aircross avec des formes rondes, dépourvues de toute arête et de toute forme arrogante. C'est le design doux de Citroën. Sur les flancs, deux nervures qui rappellent la coque striée de la Imeari d'origine. Les formes carrées, le pare-brise plat et le décroché que l'on voit ici entre l'aile avant et puis la portière qui est plus basse, qui permet de donner un sentiment d'espace lorsqu'on est à bord. Ce n'est pas du rétro-design, mais c'est une subtile évocation. Et en ce sens, c'est un travail plutôt réussi de la part de l'équipe de Pierre Rottier pour le style Citroën. À bord, l'instrumentation centrale est reprise de la Blue Summer. En fait, c'est là où les designers ont eu moins de latitude pour pouvoir différencier la Citroën de la Bolloré. Mais ce qu'on attendait de leur travail, c'est plutôt une différenciation à l'extérieur. Et là, c'est pour le mieux réussi. Cette Citroën Imeari devrait être commercialisée à partir du mois d'avril 2016 pour un tarif que l'on estime à 22 000 euros. À bientôt sur l'Argus.fr.